Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement, partager mes vidéos, laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur le commentaire qui est juste en bas de la vidéo. Cliquez sur le deuxième lien réservé. Et je suis à vous. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, je suis venue for my Libra Space. Je suis venue for my Libra Space. Balance, oui, c'est parce que vous, il est probable que vous avez des invités à la maison ou encore vous avez carrément décidé d'inviter quelqu'un de particulier chez vous à la maison. Pour une autre partie d'entre vous, c'est un ancien ami avec qui vous avez repris contact et vous avez décidé de vous voir, de passer du temps ensemble, de converser, de tout et de rien. Pour d'autres, vous avez envie de... Non, par exemple, je vois ici quelqu'un qui veut s'acheter en tout cas une nouvelle maison, quoi. Poudre, si vous venez de vous fiancer ou encore si vous venez de vous marier, il est probable que vous et votre partenaire, vous essayez vraiment de vous établir dans un certain sens. Vous essayez de d'avoir... cette stabilité-là même où vous ne pensez pas trop à vos problèmes, etc., etc. Puis, c'est un parti d'entre vous. Si vous venez de vous fiancer à soi, vous avez l'impression d'être fiancé à l'homme de votre vie, ce partenaire-là même qu'il vous fallait, celui-là même que vous vouliez. Pour d'autres, si vous n'êtes pas encore fiancé, c'est juste que vous avez, you know, un copain actuel dans votre vie avec qui vous le ressentez tout au fond de vous que c'est ici une relation qui va arriver à un autre niveau. Vous essayez d'être patiente, mais en même temps, on a ici quelqu'un qui vient toujours chez vous à la maison. On a ici quelqu'un qui est toujours présent dans votre énergie. On a ici quelqu'un qui essaye même de s'imposer un peu plus dans votre énergie afin de faire comprendre aux autres hommes, peut-être qu'il rôde autour au cas où il y en a, mais aussi afin de faire comprendre à votre entourage personnel, etc., qu'il a des intentions réelles avec vous, qu'il se voit réellement avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas ici marié ou fiancé, faites attention à un homme marié qui risque de débarquer dans votre vie du jour au lendemain et qui risque ici de vous faire gober des illusions de « Oh, je vais passer ma vie avec toi, je vais être avec toi, je veux prendre soin de toi. » Est-ce qu'on a ici quelqu'un qui est déjà fiancé qui risque de vouloir arriver dans votre vie pour vous faire croire à des bobards, pour vous faire perdre la tête sur quelque chose qui n'est pas réel, sur quelque chose qui n'est pas vrai. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous, dans un certain sens, qui vous comportez de la sorte avec un partenaire et qui risquez de vendre certaines illusions à ce dernier. Pour une autre partie d'entre vous, si vous cherchez à vendre un terrain, une propriété, des maisons, something, je vois ici un acheteur. On a ici quelqu'un qui est prêt à acheter. Pour certains, on a ici quelqu'un qui est prêt à acheter une ferme, un terrain, or something. Et pour d'autres,
On a ici quelqu'un qui est prêt à investir dans votre vie dans un certain sens. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un homme, encore une fois, déjà marié ou déjà fiancé, qui arrive dans votre vie et qui veut prendre soin de vous dans un certain sens, je vois ici quelqu'un qui veut investir dans votre vie juste parce qu'il a envie à soi. Plus la partie d'entre vous, vous risquez ici de rencontrer un bienfaiteur. Un bienfaiteur. C'est comme ça qu'il est. Il aime faire des cadeaux avec l'argent. Il aime prendre soin des gens. Il est gentil, mais il est déjà marié. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous travaillez ou une autre partie d'entre vous. Mais on a ici quelqu'un qui risque de faire la rencontre d'un bienfaiteur, de quelqu'un qui... De quelqu'un qui est dans un certain sens un bienfaiteur, mais qui est quand même séduit par la beauté d'une femme ou encore par l'intellect d'une femme. Ouais. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous avez été célibataire pendant très longtemps, j'ai aussi l'impression que vous risquez de fermer la porte à un bienfaiteur qui va carrément avoir envie d'apprendre à vous connaître. Pour certains, vous risquez ici d'avoir peur d'apprendre à connaître quelqu'un qui ne vous veut pas de mal et qui vous veut du bien. Les plus âgés que vous, pour d'autres. Peut-être aussi vous qui êtes plus âgé que quelqu'un. Mais pour certains patients, on a ici quelqu'un qui risque de ne pas répondre au message d'une personne ou encore... On a ici quelqu'un qui risque d'éviter de réellement apprendre à connaître un bienfaiteur en particulier, un partenaire en particulier. Mais si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, encore une fois, faites attention. On a ici quelqu'un qui est déjà pris ou qui est déjà prise et qui aime beaucoup son partenaire. On a même ici deux personnes qui sont... En pleine conversation, quand il s'agit d'aménagement, est-ce qu'on va habiter ensemble, est-ce qu'on va être ensemble, où on va habiter, etc., etc. Donc, on a ici quelqu'un qui est déjà fiancé et qui n'a pas vraiment d'ambition à être dans un couple avec une nouvelle personne. Hi, I'm just gonna find. The Four of Swords, please. Thank you. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Depuis que je fais les cartes, c'est la même chose qui sort. Mais ça, maintenant, vous faites attention. Il y a ici quelqu'un qui veut que vous soyez sa maîtresse. I'm telling you. On a ici quelqu'un qui veut vous offrir des petits cadeaux, des petits gâteaux, des fleurs, derrière le dos de sa fiancée. On a ici quelqu'un qui veut gérer deux bureaux en même temps. Moi, j'ai sommeil. Moi, je pars. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le... premier lien juste en bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les béliers, lion, sagittaire, verseau, verseau ascendant, vierge ascendant. Bisous, bye.